C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières. Et on va partir pour cela à Jérusalem, retrouver notre correspondant Dominique Derda, qui ce matin a choisi de nous parler de théâtre. Mais attention, pas n'importe quel théâtre, puisque c'est une initiative, Dominique, bonjour, qui réunit à la fois des acteurs juifs israéliens et des acteurs arabes. Oui, bonjour Damien. C'est un petit théâtre qui a ouvert il y a 20 ans au plus fort des tensions ici au Proche-Orient et qui est devenu depuis un exemple de coexistence entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens. Sur scène, des acteurs des deux communautés, dans le public aussi, on rit, on s'émeut ensemble des mêmes choses. Et ça, ici, croyez-moi, c'est pas si fréquent. Le théâtre de Jaffa entame une tournée en France, dans la région parisienne et à Marseille. Et à cette occasion, eh bien, Maxime Pérez et Hovsep Nalbandian ont assisté à l'une de ses dernières représentations à Jaffa. C'est leur reportage que je vous propose de voir maintenant. Sur les rives de la Méditerranée, la cité antique de Jaffa abrite un petit havre de coexistence. Derrière cette bâtisse ottomane, un théâtre où acteurs juifs et arabes partagent leur passion des planches. Ce soir-là se joue une adaptation du mythique Roméo et Juliette. La pièce met en scène deux familles, l'une israélienne, l'autre palestinienne, déchirée par l'amour interdit que se vouent deux de leurs enfants. Une allégorie du conflit, appréciée des spectateurs. Cet endroit m'attire beaucoup. Ce mélange entre l'hébreu et l'arabe, ce n'est pas si évident. Si seulement ça se passait partout comme ici. La paix n'est pas un rêve inaccessible. Nos deux peuples, j'en suis sûr, peuvent y parvenir. C'est avec ce message d'espoir que la jeune troupe du théâtre de Jaffa vient de poser ses valises en France. Une tournée à Paris et Marseille qui met notamment à l'honneur Oum Kalsoum, la diva égyptienne dont les chansons et la voix unique résonnent aujourd'hui encore dans le monde arabe. Sur scène, c'est l'actrice israélienne Galit Ghiat qui interprète son rôle. Je me vois comme une messagère venue raconter l'histoire d'Oum Kalsoum de la manière la plus respectueuse qui soit. C'est aussi très émouvant de jouer son rôle à Paris, où elle a donné de grands concerts. Une représentation à la tonalité très orientale, et d'autant plus particulière qu'elle se joue en hébreu. C'est avec ce mélange subtil entre les cultures juives et arabes que le petit théâtre de Jaffa espère faire encore longtemps recette. Là, Dominique, évidemment, nous étions au théâtre, donc avec des acteurs, mais j'ai envie de vous demander si dans la vraie vie, il y a des occasions de rapprochement entre juifs et arabes, ou est-ce que chacun reste un peu dans son coin sans se côtoyer ? Eh bien, écoutez, Damien, il y a en Israël 1 800 000 arabes israéliens, c'est 20% de la population, alors vous imaginez bien qu'ils se côtoient au quotidien, même si chaque soir, eh bien, chacun rentre dans son quartier, dans sa communauté. Mais il y a d'autres exemples de cohabitation, de coexistence, comme celui du théâtre de Jaffa. Je pense notamment à une association qui s'appelle Un Cœur pour la Paix, qui réunit des chirurgiens arabes, palestiniens et israéliens, qui opèrent dans un grand hôpital de Jérusalem de jeunes enfants palestiniens qui souffrent de malformations cardiaques. Et puis il y a aussi une association de femmes qui porte le nom de Women Wage Peace, les femmes font la paix, qui réunit depuis la dernière grande offensive militaire israélienne à Gaza des femmes juives israéliennes et arabes et palestiniennes et qui militent pour un rapprochement et pour la reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces belles initiatives.